Chouchou, comment ça va? Eh, comme promis. Bon, il y a un premier colis qui est arrivé. Je l'ai ouvert et, comme vous voyez, j'en porte un. Hein. Bon, on ouvre le colis ensemble. À tout de suite. Alors, bonjour mes chouchous. Donc, comme promis, je vous fais une petite vidéo sur Courbon Valeur. Alors, si vous ne connaissez pas Courbon Valeur, vous allez pouvoir voir dans mon ancienne vidéo qu'il y a sur YouTube. C'est sur des lives sur Facebook. C'est désolé pour la luminosité, le soleil, enfin le soleil. Les nuages jouent. Donc, comment dire? Donc, je disais que les Courbon Valeur, c'est une mère et sa fille, donc Chantal pour la maman, Vanessa pour la fille, qui font des lives en direct 3 fois par semaine, plus un dimanche sur deux. Donc, ils font le mardi, le vendredi, le samedi soir aussi, à 21h, 21h15, sur Facebook, sous le nom de Courbes en Valeur. Et donc, elles vont dans le live des petites choses assez sympas. Alors, la première chose, dans le premier colis, je vais vous montrer parce que bah, j'ai commencé à le porter, hein, bien sûr, j'adore trop. C'est ces boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles bohème avec des plumes, mais des plumes métal. Donc, voilà. Je crois qu'elles étaient dans les 10 euros. Ensuite, ce super t-shirt. Alors, vous voyez, ça va du 40 au 54 voire 56. Et vous voyez, là, moi j'aime bien porter ces t-shirts loose marqués Bohème dessus avec une petite étoile strass. Regardez, c'est trop sympa. Donc voilà. Vous voyez comment il est. Il est long. Avec un legging. Alors aujourd'hui, je porte un style de legging simili-cuir vert bouteille. J'adore trop. J'ai mis ça avec des petites boots. Couleur un peu, pas camel, mais un peu beige. Donc voilà, donc c'est ça taille super bien, c'est super bien fini. C'est, comment dire, c'est du roulé un petit peu le col. Et le bas, ça fait pareil. Mais alors, on est trop, trop bien dedans. Dans un live précédent, enfin dans un live, non, non, Isa. Rapatrie tes idées. Dans une ancienne vidéo, donc toujours de Courbon Valeur, j'en apportais un verre céladon, mais ils sont trop, trop géniaux. Donc voilà, pour ça déjà, et j'ai reçu aussi, on va commencer par ça, un sautoir, tête de buffle. Alors je vais essayer de le tourner. Regardez comme il est sympa. Alors, aussi, j'avais oublié de vous dire, je vais faire les essayages en fin de vidéo. Donc, j'ai pris un cintre, hein, c'est plus pratique. Là, une robe jaune. Alors, oui, en ce moment, vous allez me dire, je suis dans le jaune. J'adore trop. C'est lumineux. Et puis, avec ma peau un peu. Je suis, on va dire, un peu mat de peau. Donc, oh, ça m'énerve cette luminosité. Je vais essayer en allumant là. Est-ce que. Alors, voilà, ça va être beaucoup mieux. Donc, voilà, c'est une robe longue. Donc, vous voyez, si je m'éloigne, ben, vous le verrez tout à l'heure. Elle est trop bien, c'est en gaze de coton. Alors, pratiquement toutes ces affaires proviennent d'Italie. Donc voilà, je vous montre quelques instants. Donc bon, voilà. Donc je disais, c'est de la gaze de coton. Alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir la matière, c'est un petit peu quand même. Voilà. Et franchement, je l'ai essayé. Elle est super agréable. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais je m'étais fait dans l'idée qu'il y avait des poches. Mais non, il n'y a pas de poche dans celle-là.
Donc voilà, voilà pour là. Ça, c'est le premier colis. Donc il y avait les boucles d'oreilles, le t-shirt bohème, le sautoir et la robe. Donc voilà pour le premier. On va continuer. Ah oui! Ah, petite robe. Alors, c'est pareil, Léana Mode. Alors, les autres, je ne me rappelle plus les prix, pour tout vous dire. Donc, il faudrait aller sur le live voir avec Vanessa. Donc, robe longue, avec un maxi décolleté et élastique. Alors, vous voyez, je pense que ça devrait passer. Donc voilà, elle est un peu, on va dire du jaune, du orange. Regardez comment elle est sympa. Super décolleté au niveau des épaules. Alors soit on les porte comme ça, soit on peut les porter, tac, resserrées comme ça. Après, c'est à voir comme vous préférez. Alors moi, je pense que je porterai peut-être comme ça. C'est avec mes bras de chauve-souris, j'aime pas trop. Donc vraiment super douce. Alors si vous connaissez Combo Valeur, les tops sont géniaux. Donc en fait, c'est à peu près la même matière. Alors les filles diront peut-être c'est matière maillot de bain, mais je suis pas d'accord. Donc voilà, cette robe-là est trop, trop belle. Donc, j'ai trop hâte qu'il fasse beau. Je vais remonter un tout petit peu. Voilà. J'ai trop hâte qu'il fasse beau pour que je puisse mettre tout ça. Ensuite. Ah! Génial. Alors ça, c'est une tunique. Enfin, c'est une robe. Non, c'est une robe. C'est une robe qui est comme ça. Et là, effectivement, non, je me suis encore fait une prise. Non, je croyais qu'il y avait des poches. Alors, cette petite robe-là, avec des étoiles. Alors, si Hélène, tu passes par là, la belle Hélène de Hélène LC, t'as vu? Des petites étoiles. Tu m'as contaminée. Et donc là, sur l'épaule. Sur l'épaule, sur la manche, vous avez un petit bouton pour remettre comme ça. Donc ça, c'est assez sympa l'été à la maison pour chiller tranquille. Donc ça, c'est bah, toujours italien. C'est du coton, je pense. Je vais regarder. Y a-t-il une étiquette? Étiquette, oui. Alors, 100% coton. Alors ça va être génial quand il va faire chaud. Enfin, j'espère bientôt. Donc voilà, ça. Hop, c'est un verre un peu mou. Ce qui manquait, dans les couleurs que j'ai dans mes tops. Je les adore, ces petits tops à bretelles fines. Alors, je me mets dans le bon sens. Ouais, dans ce sens-là. Regardez cette couleur. Alors, c'est un vert. Ah, tiens, ça irait bien avec mon leading là. Regardez ça. Regardez comme c'est magnifique. La petite dentelle comme ça. Bretelles fines. Et alors, ce qui est génial, c'est qu'elles sont réglables. Vous voyez. Et en plus, elles sont élastiquées. Ce qui veut dire que moi, avec mon 105F, alors, j'ai la poitrine qui est sens de la gravité terrestre, hein, vu mon âge. Donc, du coup, ça permet d'avoir de la place. Je vous jure que même des poitrines beaucoup plus fortes, et eh ben ça passe. Et alors sans problème. Et au niveau longueur, regardez. Pas sympa ça?
Alors, voilà. Franchement, ils sont trop beaux, ils sont agréables à porter, à laver. Pardon, excusez-moi. Vous les lavez, vous les étendez. Allez, je dirais un quart d'heure après, c'est sec. Franchement, ce sont des affaires faciles à vivre. Donc, franchement, allez sur Commande à l'heure. Alors, le cintre, je vais le poser parce que j'en ai plus besoin. Je me suis pris un short. Alors, ça, c'est taille 40. Et regardez le détail en bas. C'est pas sympa, ça? Donc, avec deux vraies poches. La poche à ticket, moi, je dis ça. Alors, je suis une vieille de la vieille génération. Donc, bouton fermeture éclair. Ça a l'air d'être une taille relativement haute. Derrière, des poches assez hautes apparemment. Donc, ce qui veut dire que ça va faire un beau petit. Hein? Et élastiqué. Donc, je vais vous dire si taille bien ou pas parce que je fais un 40. Et ben, si mon cucu et mes cuisses rentrent bien dedans, ça va être génial. Alors, ça, avec les petits tops d'été. Je vous dis que ça va être génial. Je vous assure. Et c'est du vrai jean. Enfin, c'est du jean. C'est pas le jean comme les. Comment on appelle ça? Les jeggings qui achètent Yabi où c'est une matière façon de jean, mais c'est pas du jean. Là, c'est quand même beaucoup plus résistant. Et. Je vous ai gardé le meilleur pour la fin. Alors, ça, celui-là, j'en ai déjà un dans les tons beige que j'adore avec un petit top, c'est génial. Une petite paire de baskets, une petite veste en jean, c'est nickel. Et celui-ci, cette couleur-là, je l'ai vu sur Béré Beauty. Et bah, il m'a fait de l'œil. Il m'a fait de l'œil, ni plus ni moins. Et c'est un palazzo. Et dans cette couleur-là, je sais pas, en ce moment, je suis jaune, vert. Je sors un peu de ma zone de confort, de mon rouge, blanc, noir. Pourquoi pas? Apparemment, ça me va bien, me dit-on. Mais bon, je t'aime. Tranquille. Hein? Donc, pour revenir à ça, donc il y a deux poches. Voilà. Impeccable. Deux grandes poches. Hein. Donc voilà, et puis vous élastiquez. Donc moi avec mon 40 c'est impeccable. Je ne sais pas jusqu'à quelle taille ça peut aller. Alors déjà d'une, je l'ai mis à l'envers. Fin de journée, hein. Donc fatiguée. Donc c'est taille unique. Alors celui-là j'ai pris, c'est 19,99. Et donc franchement, regardez. Allez un petit peu. Donc, moi je suis un 40. Je pense qu'un 50 pourrait aller facilement, voire un 52 même. Et puis, c'est très fluide. La matière tombe bien. Vous savez, vous avez des pantalons légers. J'en ai comme ça, des palazzos que j'ai depuis quelques années. Mais la matière n'est pas assez lourde pour. Ni trop lourde, ni pas assez. En fait, celui-là, il tombe super bien. Et moi qui fais 1,65 m, les bras levés, les bras, Isabelle, moi qui fais 1,65 m, les bras levés, et ben impeccable. Je ne marche pas dessus. Bon, je le mets en taille haute hein, pour cacher, vous savez, ces petites choses-là qui me restent de mon opération. Donc, voilà quoi. Franchement, c'est trop géant. C'est trop géant. Franchement, si vous ne connaissez pas, allez faire un tour. Je vais quand même regarder. Franchement, on devient addict. On devient addict. Donc maintenant, je vous laisse et on va se retrouver pour les essayages. À tout de suite. Coucou, ben voilà. Donc, bah, je suis pieds nus, hein, je suis dans une des chambres. Regardez ce short. Hein, regardez. Je suis à l'aise dedans. Regardez le cucu que ça me fait. Ça me fait un beau petit boule.
Qu'est-ce que vous en pensez? En plus, regardez. Moi, j'aime pas quand ça fait des bêtes comme ça, là. Et là, c'est nickel. Donc, voilà. Vous voyez? C'est nickel. Franchement. Avec ce petit haut bohème comme ça. Une petite paire de baskets. On va laisser peser. Ça va être assez sympa, ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, voilà. Voilà pour celui-là. On se retrouve tout de suite. Alors, le petit top. L'étiquette. Entre l'étiquette. Voilà. Là, je ne l'ai pas bien réglé, puis j'ai un soutif pas adapté. Donc, regardez. Regardez ça, la dentelle. Et ce qui est bien, c'est qu'il remonte bien. Vous voyez? Quand on est un peu ronde, on a des petits bourrelets là au-dessus du soutien-gorge. Et bien là, non, ça le cache. Alors là, je l'ai mis sur le palazzo comme ça. Le palazzo. Mais on peut le mettre à l'intérieur. Alors. En plus, il est très très bien avec vous voyez, un petit peu de blouson. Hop. Regardez. Il faut que je la remette correctement. J'ai pas mis de devant le derrière, non. Je suis pas assez lourde pour ça quand même. Mais la ceinture, ça fait bizarre. Voilà. Et top. Et je vais monter assez haut. Désolée pour le bruit que vous pouvez entendre, c'est les portes en bas qui claquent. Donc le palazzo. Voilà. Et ça fait bizarre là, c'est marrant. Bizarre, bizarre. Ça fait, je sais pas. Ça faisait pas ça avec l'autre. Ouais. Enfin bon. Là, c'est surtout pour vous le montrer. Donc, vous voyez, avec mon 1,65 m. Hein, je marche pas dessus. On est vraiment à l'aise. Tranquille, taille unique. Donc, voilà. Nickel. Bon. Là, je peux pas le mettre correctement. Mais bon, l'idée, vous voyez, c'est de mettre blouson comme ça. Ça, avec une petite veste, je vous dis que c'est une petite veste en jean ou un perfecto. Alors, ça peut être un perfecto beige comme ça, comme j'aime, moi, déjà. Ça peut être un perfecto, ça peut être un perfecto noir aussi. Donc, voilà, vous voyez, c'est sympa. Moi, je kiffe. Merci, Berry Beauty. Béret. Oui, Béret Beauty. D'avoir montré ça, celui-là, parce que franchement, c'est un coup de cœur. Enfin, tout est un coup de cœur. Vous me direz, j'arrête pas. C'est vraiment, je kiffe. Donc voilà, on passe à l'essayage suivant. Donc voilà, le t-shirt. Alors, je dirais que moi, je vais m'en servir pour être à la maison, surtout, vous voyez. On est à l'aise. Un peu plus long. Derrière que devant. Alors certains pourraient me dire le ceinturer. Déjà d'une, ça va remonter un peu haut, puis alors c'est pas possible avec mes jambes. Alors faites pas attention, mes jambes elles sont toutes blanches. Hein. Ça bronze avec le peu d'UV qu'il peut y avoir, même dans les jambes comme je suis en pantalon. Donc voilà, et on peut le remonter comme ça. Mais c'est super agréable. Hop. Regardez. Pour être à l'aise. Mais bon, moi je vais le porter comme ça parce que vous voyez mes jambes, mes bras, mes jambes. Vanessa, je suis comme toi. Toi, tu dis, quand tu veux parler du genou, tu parles des chevilles. Donc, ben, moi, c'est les. Voilà, c'est la même chose. Alors, donc sympa. Pour être à la maison. En décontracté, tranquille.
au bord de la piscine, avec un petit cocktail, pour être à l'aise. Il n'y a rien de mieux. Franchement, ça va être, je pense, ma robe d'été maison. Donc voilà, on passe à la suite. Alors voilà la robe. Je pense qu'il va falloir que je fasse un ourlet parce qu'elle est vraiment très longue. Et comme je ne porte pas de talons, elle est super sympa et agréable à habiller. Alors, comme je vous explique, alors je ne vous dis pas le décolleté. Moi, bon, ça ne me dérange pas. Et dans le dos, c'est pareil. Grand décolleté, je ne sais pas si vous le voyez. Alors, comme je vous expliquais, l'étiquette, tu rentres. Donc, vous voyez, on peut soit le porter serré comme ça, soit porter comme ça. Moi, je préfère comme ça. Après, c'est suivant comment on peut aimer. Voilà, ça cache un petit peu mes bras de chauve-souris. Donc voilà, regardez comme elle est sympa. Et elle colle pas. Alors j'avais un petit peu peur parce que j'ai quand même un excédent de peau qui est là, suite à ma perte de 50 kilos. Et ben, en mettant un sous-vêtement adapté, on va dire, ça devrait le faire. Un style de body tranquille. Voilà. Je croyais que ça allait me coller plus que ça. J'ai hésité. Et ben franchement, non. Vous voyez, regardez comme elle est sympa. Elle est vraiment trop belle. Elle fait classe, elle fait bohème. Non, avec tous les colliers bohème, j'en ai avec du bleu et tout, je pense que ça devrait le faire. Donc on va passer à la dernière pièce. Et voilà la dernière pièce. Alors ça a été vraiment un coup de cœur. Regardez cette fluidité. Regardez ça. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que elle est plus longue devant que sur les côtés. Je ne sais pas si vous voyez. Mais là, elle est plus courte là. Et là aussi. Et j'ai mis. Alors, avec la luminosité, vous allez me dire, on voit en dessous. Franchement, ça se voit pas beaucoup. Puis moi, mon perso, ça ne me dérange pas. Oh là là, cette luminosité de. Voici. Hop là. Est-ce que ça va aller mieux ça? J'espère que ça va aller. Regardez ça. Avec le sautoir. Eh oui. Tac. Un petit sautoir rose. Ça va totalement avec ça. Hein. Franchement. J'adore. Je kiffe. Plus les boucles d'oreilles qu'on a vues tout à l'heure. Qu'est-ce que on peut demander de mieux? Franchement, j'adore trop. Donc voilà la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que les vêtements que je vous ai présentés vous auront plu. Suivez-moi sur Insta et vous trouverez mes looks avec ces différents vêtements. Ces différentes pièces et tout régulièrement. C'est donc Isa Fashion FLC. Donc voilà. Sinon, vous pouvez me suivre aussi sur Insta, sur Facebook, dans le club, le groupe, pardon, la vieille qui dit le club, non, le groupe fan de Combat Valeur. Et je vous assure, allez sur le live de Vanessa et Chantal de Combe en Valeur. Franchement, vous, déjà d'une, toutes les filles, c'est de la bienveillance. Et puis, elles vendent vraiment de belles choses, sympas, à des prix très intéressants. Pour avoir vécu à 130 kilos, être très ronde, j'avais énormément de mal à m'habiller. Et j'aurais bien aimé à l'époque trouver des boutiques hormis Kiabi où c'est des sacs. Là, franchement, ça met vraiment les courbes en valeur. Donc, allez les voir, regardez, dites que vous venez de ma part, il n'y a pas de problème. Et vous verrez, c'est super sympa. On est tout un groupe de filles, on est à peu près sur les lives, en général, on tourne à entre 250 et 300 filles. Et à force, on commence à sympathiser, tout, à rigoler ensemble. Il y a ces bons enfants. Vanessa
elle est toujours prête à essayer quand on lui demande. Vanessa, elle a des belles hanches. Et sa maman, elle est toute menue. Donc en fait, elles essayent l'une et l'autre. Comme ça, on peut se rendre compte comment sont les vêtements. Donc c'est trop génial. Donc allez voir. J'espère que cette vidéo, je vais y arriver ce soir. Je suis fatiguée, hein. Je suis en vacances maintenant, là, pour 7 jours. Je vais me reposer. Mais allez voir, franchement. Et si cette vidéo vous a plu, ça y est, Isabelle a bafouille, elle n'en peut plus. Vous allez vous cliquer sur abonner. Vous pouvez mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Et puis moi, je vous donne rendez-vous pour d'autres vidéos d'ici quelques temps. Je vais essayer de vous faire une vidéo sur une autre marque dont j'ai reçu depuis plusieurs mois pas mal de choses. Donc voilà. Mais là, c'est comment valeur, si Vanessa ou une des filles du groupe passe par là, je vous adore. À bientôt, mes chouchous. Bonne vidéo.